Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. C'est l'émission rap numéro 1 en France. Planète rap. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Planète rap. 20h-21h sur Skyrock. Ce soir, Planète rap, l'UJPK. C'est l'UJPK, notre invité tous les soirs de la semaine. Et ce soir, en ce jeudi, c'est déjà la dernière de Planète Rap. Malheureusement. Évidemment, à cause de ce foutu et fichu virus, on est obligé de modifier un petit peu les programmes, de modifier les planètes rap. C'est ça pour ça qu'on a été deux cette semaine, hormis la visite de Lolo. Petite tête-tête. Qui est passé hier soir entre 20h et 21h, Lorenzo. Mais sinon, on est en tête-à-tête, en face-à-face, ce qui est bien aussi, qui a une autre ambiance. Juste avec la seule prétention de vous faire passer un bon moment, une bonne heure ensemble. Ce soir, c'est l'UJPK, tout va bien. Cette dernière, je disais, demain soir, il y aura une heure de l'UJPK rien qu'en son. Ok. On passera tes sons, tes solos. On reviendra sur Columbine. On passera aussi des morceaux de PK. Tu nous as régalé cette semaine. Ouais. Avec des titres inédits. Ce soir, il y en a encore un qu'on va découvrir. Le dernier morceau de cet EP surprise. EP surprise. Ouais. Que vous pourrez aussi streamer un peu partout dès demain. Il s'appelle PK, PEK. Mais il est dispo aussi, même dès ce soir d'ailleurs. C'est ça, dès ce soir, on met le dernier morceau et d'un seul coup, tout le projet existera en stream. Incroyable. Merci à toi, le JPK, pour cette belle semaine. Et avant de la conclure, parce qu'on va quand même passer une heure ensemble, écouter du live, écouter des morceaux, on va revivre aussi un petit peu ce qui s'est passé depuis lundi. Écoutez, c'est les replays de la semaine. Si c'est pour la traiter comme la terre, touché on dirait des dunes. Je vais la soulever comme un alter, même si aujourd'hui c'est dur. Je te promets que demain ça va le faire, je suis bon qu'à claquer des thunes. Regretter ce que j'ai fait la veille. Planète rap. Pas là-bas, zut. MD en parachute. Pas là par hasard, balancer la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite. Planète rap. Montrer un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines. Et j'ai raidé tout l'été avec la même fille sur la scène. Je détruirai mon havre de paix. La même vie que vous, j'ai la flemme. La même vie que t'as la flemme. Même si c'est son derrière la scène. Planète rap. Die. Ne la bime pas trop. Avec maintenant j'ai le sourire. Ne la bime pas trop. Comment ça va? Je réponds pas pire. Ne la bime pas trop. Voilà donc résumé en quelques minutes les lives. Tous ces lives inédits qui n'existaient pas il y a quelques jours et qui maintenant voilà. C'est ça, on a construit l'EP ensemble. L'EP a été construit grâce à vous aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont intervenus. À chaque fois, tu faisais écouter sur tes réseaux. Ouais, c'est sur ça, ton Insta. C'est le premier EP créé en live. Voilà, premier live Instagram. Premier EP créé en live Instagram. Donc, ce EP, il existe, ou il va exister dès ce soir, puisqu'il nous reste un dernier titre à découvrir. Il s'appelle le morceau que tu nous feras tout à l'heure en live. De quoi tu parles à découvrir, ce sera tout à l'heure avec l'UJPK, notre invité. Je rappelle aussi que le 15 mai. Ça arrive vite. Ça arrive très très vite. C'est la partie Lougie, c'est 9 titres totalement inédits aussi. Ouais. Ce sera à partir donc du 15 mai en précommande. Je vois que les signatures ça avance un petit peu ou pas? Les signatures avancent tous les jours. On essaie d'en faire quelques dizaines, quelques centaines. Ceux qui aiment bien l'objet, vous allez sur le site l'UJPK Store. Eh bien, vous pouvez précommander cet album. Et en plus, alors ceux qui précommandent sur l'UJPK Store, ils ont la petite photo dédicacée. Et TEK. Et PEK. En version physique. En version physique aussi. C'est important à préciser. C'est très important parce que c'est de très bons morceaux aussi. Ah, c'était pas prévu. On attaque avec Palapalapa. Allez hop, c'est parti. Je sais pas comment je l'ai dit, je sais pas si j'étais bien. Ah, c'est bon, c'est bon. Non, je crois qu'il était pas trompé jusqu'à là. Il a glissé celui-ci. Ouais. J'ai eu un petit doute sur la fin. C'est ça. Allez, c'est parti. À
Allez, c'est pas grave, donc balancez la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? Je retrouve des francs dans mon fuite et du sang sur mon pull. Pull, prends pas exemple sur la foule, on dira que je le fais pour la culture. Eux n'en ont plus rien à foutre, hein. Un rire qui glace le blood, hein. Je suis petit face à mes doutes, hein. Plus bon qu'à mettre des coudres, hein. Jusqu'à ce que frappe la foudre, hein. Je perds trop de potes dans la fumée. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal. Maintenant, il va falloir assumer. S'il te plaît, ne crois pas tout ce que dit la guitare, babe. Mais qu'est-ce que t'avais dans la cervelle? Je veux pas t'apprendre à te faire belle. Je crois qu'au fond, rien n'est éternel. Je crois qu'au fond, rien n'est éternel. Je suis pas là, pas là-bas, zut. MD en para, MD en parachute. Pas là par hasard, balancer la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? Je suis pas là-bas, pas là, pas là-bas, zut. MD en para, MD en parachute. Pas là par hasard, balancer la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? La putain de Sarah, c'est comme ça, c'est la vie. Va voir ailleurs, je suis ni là ni là-bas. D'ailleurs, je sais pas ce que t'irais foutre ici. Au début, c'est marrant, puis ça fait des ravages. Je suis remonté à bloc, j'allais sortir de l'asile. Et j'ai croisé le diable par pur hasard. Elle me dit que le Prada, c'est pour les autres filles. Qu'ensemble, on allait nettoyer ce bazar qui est nos vies. Je donne à ce fort d'Obi-Wan Kenobi. Dis-moi que tu la sens aussi, hein, tu la ressens aussi, la tristesse dans ta ville. Je m'assois au fond et je regarde comme un avare dans le strip club. S'il y a que la pluie qui peut cacher tes larmes, pourvu qu'il pleuve. Ouais, je suis pas ici, pas là-bas. Si les mots sont des armes, je chanterai la papa papa. J'ai vu le logo de l'Empire sur une pile d'extra. Le JP quand je rose toi quand même. Trop follow sans faire d'histoire. J'suis pas là, pas là-bas, pas là, pas là-bas, zut. MD en para, MD en parachute. Pas là par hasard, balancer la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? J'suis pas là, pas là-bas, pas là, pas là-bas, zut. MD en para, MD en parachute. Pas là par hasard, balancer la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? Pas là, pas là-bas. À l'instant, c'est ce qu'on écoutait, Luigi PK, extrait du projet qui sort le 15 mai de Luigi sur Skyrock, le Planète Rap entre 20h et 21h sur Skyrock. Et on va rappeler aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des demandes sur ton magnifique logo, on en a parlé un petit peu cette semaine. Ouais, ouais, ouais. Et il y a aussi donc le sweat que tu portes ce soir dans l'émission avec le logo. Ça, pareil, c'est pas dispo encore, ça va venir peut-être? Non, ouais, hier j'avais le t-shirt, là j'ai remis le pull. Et non, c'est les deux pièces qu'on va sortir, mais elles sont pas encore dispo, mais elles sont dans les prochains jours, quoi. Donc prochainement, ça on pourra le trouver. Ouais. Pour ceux qui nous demandent où est-ce qu'on peut trouver ce magnifique avec ton autoportrait dessus. Voilà, mon petit gribouillage. Ton petit gribouillage. T'étais pas bon toi en dessin, t'étais pas un mec. Je dessinais en cours surtout, ouais. T'es dans les marges. Les cours justement, c'était un bon souvenir ou pas? C'est... Dans ces périodes de confinement, il est bon aussi de se rappeler. Plein de gens qui ressortent plein de vieilles photos. Ouais, je sais pas si t'as trié toi aussi un peu pendant le confinement, si t'as fait un peu. Ouais, il y a les défis là, j'ai vu les défis de balancer des photos. J'avoue, j'ai mis une petite photo de moi jeune. Ouais, j'ai vu. Voilà. J'ai vu ça. Et voilà, donc, un petit bambin aussi, blond. T'as aussi été trié les photos et tout. C'est ça, hein, t'sais, qu'est-ce que tu veux? On est chez nous, on refait le monde. Hein. Donc ces petits souvenirs ouais, de cours et tout, bien. Ouais, je suis content que ça soit fini quoi. Toi, t'étais doué en quoi? Quelle matière? Il y avait quelle matière qui était. J'ai pas trop aimé moi les matières en général, genre je faisais plus d'actes de présence quoi. Mais okay. J'ai une bonne note radiateur. En philo au bac. Radiateur. Ouais, radiateur la direct. Radiateur direct. Non mais en vrai ça va, tu vois, moyen, je pense que j'aurais pu faire mieux. Je parle de ça parce qu'en même temps c'est particulier, il y en a qui sont en vacances mais ouais. Confinés. Il y en a déjà qui ont attaqué les vacances, mais qui sont confinés à la maison. C'est comme avec le bac, là, les petits qui devaient passer le. Alors, ça, on nous a tout bac. Fait. Hein. Moi, je me souviens, on nous a tout fait. Mais alors là, par contre, le confinement. Ouais. Mais on n'a pas le choix. Il vaut mieux rester, je le rappelle, rester confiné à la maison, rester à la maison. Là, nous, on vient faire les émissions, mais on tient évidemment les distances de sécurité réglementaire. Enfin, voilà. Attention. Sanitaire. Et puis, on essaie juste, voilà, de vous faire du bien entre 20h et 21h. Un bon moment. Avec Luigi PK, on va écouter le morceau août 2008, c'est ce qu'on me dit, ou j'allais annoncer autre chose, mais en effet, août 2008, c'est un des morceaux pareils, un des titres inédits que tu nous as fait okay. Pour cette semaine. Vas-y, let's go. Et c'est ce qu'on écoute tout de suite. Go. Je mettrai un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines. Et j'ai raidé tout l'été avec la même fille sur la selle. Je détruirai mon havre de paix. La même vie que vous, j'ai la flemme. La même vie que t'as la flemme. Même si c'est sombre derrière la selle. Je mettrai un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines. Et j'ai raidé tout l'été.
fais avec la même fille sur la scène. Je détruirai mon havre de paix. La même vie que j'ai la flemme. La même vie que t'as la flemme. Même si c'est son derrière la scène. Juste la nostalgie d'un été. Je mettrai ce qu'il faut sur tes plaies. Du paradis sous tes pieds. À la fatigue sur tes plaies. Je suis sur messagerie en effet. Je peux pas te raconter les faits. C'est ma voix sur bande FM. Où ce que je suis qui te fait de l'effet. Pourtant le rose ne pousse pas sur la scène. C'est pas tout le temps les autres. Parfois faudrait que l'intègre. La nuit est mauve et tes remarques sont vaines. On est devenu des hommes et je filmais pas, faut la refaire. J'ai pas su transformer, c'est quand je suis comme ça, faut me laisser. Juste un vieux loup solitaire, club au bec roule sans hyper. On les maltraite trop, c'est qu'on aime, c'est plus qu'un nuage dans le ciel. Graines de café dans le sel, ça me fait plaisir que tu te rappelles. Pourtant le rose ne pousse pas sur la scène, c'est pas tout le temps les autres. Parfois faudrait que l'intègre. La nuit est mauve et tes remarques sont vaines. On est devenu des hommes et je filmais pas, faut la refaire. Je mettrai un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines. Et j'ai raidé tout l'été avec la même fille sur la selle. Je détruirai mon havre de paix. La même vie que vous, j'ai la flemme. La même vie que t'as la flemme, même si c'est sombre derrière la scène. Je mettrai un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines. Et j'ai raidé tout l'été avec la même fille sur la selle. Je détruirai mon havre de paix. La même vie que vous, j'ai la flemme. La même vie que t'as la flemme, même si c'est sombre derrière la scène. Avec Luigi Pekka, notre invité, entre 20h et 21h sur Skyrock. Luigi, on va faire un petit jeu maintenant. Ah, encore. Un petit bouche les trous pour conclure la semaine. Le bouche les trous, c'est simple, je commence la phrase, tu l'as fini. Ok, tu es instinctivement, comme le jeudi. Exactement, un peu. Exactement. Vas-y, je vais dire très la première bêtise qui me vient à la tête. Après 3 semaines de confinement, je me sens. Bien. J'ai eu le temps d'apprendre pendant ce confinement. Que je pouvais faire un EP en. En une semaine. En fait, c'est l'apprentissage, c'est d'avoir fait le PPK pendant. Je pouvais faire 5 titres en 10 jours. Par contre, pendant ce confinement, il y a un vrai problème, je ne mange que. Que des pâtes. C'est vrai, c'est vraiment pâtes, toi là, c'est. Ah, s'il fallait choisir quelque chose, ouais. Mais ça va sous différentes formes, c'est pas la crise. C'est pas la crise. Mais tu fais partie des gens qui ont été achetés beaucoup de pâtes. Ouais. Je retiens quand même. Pas trop, tu vois, mais. Non, bah, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Ouais. Donc, pâtes. Pâtisserie, ouais. Ouais. Classique. En même temps, tu vas pas me faire croire que tu coupes tous les soirs des mets. Eh bien, détrompe-toi. Je suis un. Enfin. Un fin limier. Enfin. Un fin limier de la cuisine. Eh ben, putain. Pour ne pas péter un câble pendant le confinement, je fais des pompes. Je conseille à tout le monde d'en profiter pour regarder. Je vais pas te remettre une pièce. Là, on va dire regarder. Ouais. Vermine, c'est un truc sur Netflix, c'est trop drôle. C'est vrai ? Ouais. Alors Vermine, c'est le conseil. Pour garder le moral, je Fab, chacun son truc. Pour garder le moral, j'appelle ma famille. C'est bien. Ouais, c'est important. C'est bien. Ma mamie. Dès que c'est fini, je vais direct. Je retourne au stud. Hein. Dire ah non. Ah gros, même pas un petit rat de laboratoire. Hein. Même pas un petit déconfinement, un petit truc genre. Je vais au grec. Une sorte d'un grec. Bien, très bien. Allez hop. Ma méthode de travail en solo est différente au niveau de. Au niveau de du choix des prods peut-être. J'en fais plus moi-même. Si tu savais les horreurs qui me balancent dans mes oreillers. Il y a Fab et Alexis, que tu connais très bien les deux. Qui ça, c'est le dernier jour, ça slash. Ils me balancent des trucs à chaque fois que je dis un truc. On va les inviter. Ça finit par branlette, je te le dis, ça finit par branlette. Donc on avait pour garder le moral, je m'astique. Je conseille à tout le monde d'en profiter pour s'astiquer. Pour ne pas péter un câble, je m'astique. Ah, depuis tout à l'heure, ces salopards, ils me disent ça dans l'oreille, j'ai du mal à me concentrer. Le niveau vole haut là. Ça vole très haut. C'est un moment de confinement, c'est ça. Il mieux rester à la maison, les gars. À un moment, t'as le truc. Donc, je reprends tranquillement ce petit. Ouais. Et d'ailleurs, qui s'appelle Bouche les trous, hein, je rappelle cette petite rubrique. Et on en était au travail en solo. Sur les prods, sur les instrumentales. Je me suis permis plus de choses au niveau de.
au niveau de l'UGIP. Au niveau de ma... Je me suis permis parmi la même du coup. Au niveau de ma branlette du coup comme ouais. C'est ça, voilà, je me tiens très bien pour répondre aux poteaux en régie. Les membres de Columbine qui supportent le moins bien le confinement sont est-ce que t'en as eu Chaps, j'ai eu Chaps, ah ouais. Ça l'énerve. Il est où? Il est du côté de Rennes, côté de... Lui, il est retourné chez sa famille, voilà, en Bretagne. En Bretagne. Et ouais. Pourtant, il a un jardin, tu vois ce que je veux dire? Genre, il peut prendre, mais je crois qu'il kiffe pas. Mais bon, on le salue quand même, hein. Ouais. En fait. Allez, hop. Ça c'est lui d'ailleurs qui t'a permis de faire la le logo. La sortie, c'est sûr. C'est lui qui t'a dit de. C'est lui de, qui m'a dit dessine, dessiner. France Crayon dessine, et je le remercie parce que, voilà, il a allumé la mèche. Le ou la fan le plus fou ou folle que j'ai croisé a fait. Quels sont les souvenirs dingues que t'as vus? Ah, le fait de venir à 30 concerts, c'est assez fou. Ah oui, t'as vu ça? Ouais, on a une vainqueuse qui suit tout depuis le début. C'est assez impressionnant. Genre, elle est 30, même, ouais, trentaine de dates. Ouais, même, tu vois, récemment, ça c'est un autre projet, mais je fais un peu le DJ sous le nom de DJ Richard Sexuel, tu vois. Ça c'est un autre side project que j'ai. Ah bah il me l'air déchaîne pas s'il te plaît. Et il s'avère que vu qu'on dit tout là, en gros j'ai fait un DJ set en Belgique pour Tchèque et elle était là et tout, donc en fait c'est ça, genre on a des fans qui sont là partout. Bon et, bah on la salue ouais. Aussi. Mais c'est pas, tu vois, genre pas de dinguerie non plus. Si une fois il y a une fan, ça c'est encore autre chose. Ah ouais, c'est un truc un peu plus banan. Non, une fan qui m'avait dit que j'écrivais mes sons pour elle. Tu vois, ouais. Vraiment, elle me l'a dit, mais dans les yeux, tu vois, genre, mais je sais que c'est pour toi, et qui m'a offert des cadeaux un peu qui faisait un peu vaudou, tu vois ce que je veux dire, genre des. Et là, t'es pas bien là, non? Ah, je me suis dit, ouais, t'es pas bien là. De la sorcellerie, ça, moi. Ouais, là, t'es pas bien. T'es pas à l'aise avec. C'est pas les trucs qui te rendent à l'aise, ouais. Ouais, laisse-moi tranquille. Ouais, enfin, pour finir, j'aimerais ajouter. Bah, aller streamer PEKA et précommander. L'UJ pour avoir votre dédicace et participer à la release party, et voilà, tout est dit, c'est la promo. C'est la promo, et c'est une belle promo cette semaine, cool. Avec un beau projet qui sort donc le 15 mai. Et puis il y en a un autre, là on est déjà tranquille pour patienter. Ouais, pour patienter, on a déjà 5 morceaux ou presque. Ce soir, tu nous feras un morceau qui s'appelle De quoi tu parles. Un de mes préférés, celui-là. Ce sera dans un instant en live sur Skyrock. On balance Roxane. Allez, c'est parti, un petit coup de Roxane. Yeah. Avec Roxane ou Belinda, est-ce qu'il est 3 ou 6 du mat? C'est l'air de rien qu'on se fait du mal, quand sombres sont les idées noires. J'suis seul sur scène avec les ondes de mes potes. Comme tu me freines, je me souviens d'aucune bonne époque. Y'a plus rien qui brille dans les poches, qui rime dans mes strophes. Y'a plus rien qui rime. J'ai écrit je t'aime sous ton pote Gribou, on le trait du nom, je suis pas le nombril du monde. Dans ma chop, j'écoute mon son, dernière clope dans les poumons. Mon cœur de pierre fait le fond, j'ai pas peur de perdre, j'fais le con. Et t'y fais le contraire s'ils le font. Te pose pas trop de questions, la voix qui tremble quand ça monte en pression. Quand le sang coule, quand la bouteille n'est plus qu'un tesson. Et continuer serait indécent, donc il faut possession. J'enchaîne concert, concert, bitchy, studio, session. La voix qui tremble quand y'a tout qui s'effondre. Ça fait longtemps que je suis pas rentré à la maison. Prends tout, même la part des anges. Fume ce que t'as sous les ongles. Comme c'est étrange, t'es vu ramper, ça ne me fait aucune émotion. Ou Belinda, est-ce qu'il est 3 ou 6 du mat? C'est l'air de rien qu'on se fait du mal. Quand sombre son, les idées noires. Laissez-moi percher sur mon arme. T'es la dernière flèche de mon arc. Elle a le regard beaucoup trop dark. S'en va comme un souvenir qui marque. Laissez-moi percher sur mon arme. Ou Belinda, est-ce qu'il est 3 ou 6 du mat? C'est l'air de rien qu'on se fait du mal. Quand sombres sont les idées noires. Avec Roxane ou Belinda, est-ce qu'il est 3 ou 6 du mat? C'est l'air de rien qu'on se fait du mal. Quand sombres sont les
donc ce morceau. Trop petit ou trop. Autant pour moi. Les beatmakers se sont fait plaisir à la fin. Junior et Louis Duro sur celle-là. Go. Mais c'est vrai que ouais, hier je vais me faire pareil quand tu l'as fait en live. Ouais, t'as vu, il y a une petite, me faire avoir, un petit bonus. Je vais me avoir pareil. Un petit casseur de rythme à la fin, ouais, et tout sur. Pas en rumba. Magnifique ce morceau qui s'appelle Roxane, qui fait donc partie des titres inédits pour la semaine. Yes, c'est ça. Quel boulot, quel sacré boulot. Celui-ci, pareil, t'as un souvenir de Roxane quand tu reçois le son ou pareil. Donc t'es dans le speed, hein, c'est la semaine dernière. Tu prépares le Planet Rap avant de le balancer aussi sur tes réseaux, de le tester avec les gens qui te suivent. Ben celui-là, il y avait déjà une brief de couplet, un début de couplet qu'on avait fait du coup cet été avec Junior et Louis. Donc Louis qui a fait la guitare, Junior qui a fait toute la prod. Et j'avais écrit du coup ce couplet sur cette prod. Donc du coup c'est ça, il est dans l'esprit encore du Lugy pendant les festivals à Columbine et tout. Et il n'y avait pas le refrain et il m'est venu comme ça. J'ai fait cette référence à Police, tu vois, je réécoutais un peu de rock pendant mon confinement. Et c'est ça. Et aussi à Claude François, Belinda. Oui. Voilà, c'est ça. Un morceau un peu romantique. C'est le grand écart un peu. Ouais, c'est... ouais. Ouais. Ça fait partie par contre des choses que t'as écouté gamin, des souvenirs de Police, gamin. Mon père c'est un de ses groupes préférés. Mais voilà, et puis après Claude François un peu moins, tu vois, mais bah après ça fait partie de la le mec était pop, t'es. Ah ben le mec était, c'était un entertainment avant l'heure, quoi. Le gars te faisait des danses, des chorégraphies, fallait que ça file droit, hein. Ouais. Quoique je respecte, mais je crois que c'était un mec assez sombre en fait. Ouais, drôle de gars, je crois. Ouais. De ce que j'ai pu savoir, mais bon, bah on fuck lui alors. On lui prend sa Belinda. Voilà, tu lui as piqué sa Belinda en tout cas. Lugy PK avec nous pendant quelques minutes encore ce soir jusqu'à 21h avant de retrouver la radio libre de Difool. On va revenir dans un instant. On balancera le morceau Die. Ouais. C'est Die et c'est juste après ça. On l'a pas encore mis celui-là. Planète Rap. 20h-21h sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap, Lugy PK. M'a quitté, j'ai plus trop où habiter. En pleine crise d'identité, je la touche qu'avec un titane. Je fais de la musique ou du social. Fais des fusibles et des câbles. Et t'as omis juste un détail, c'est le plus important, c'est dommage. J'ai vu la vierge sous l'orage. Tu es l'enfant, a dit l'oracle. Je prends de l'âge. Rends-moi un dernier hommage. Navigue sur une flaque de Mola. Tu construis seul ton enfer. C'est en euros ou en dollars. Peu importe, sniff dans le billet vert. J'suis déjà passé là, mon pote, j'crois que j'suis perdu. Je peux plus faire semblant, tu sais que c'est hyper dur. J'suis resté planté là et on ne s'est jamais revu. Comment j'suis censé voir ce que j'n'ai jamais connu? Ouah, j'suis ta. Que l'étiquette, ton flow chez l'antiquaire. Je me suis fait mordre par mon snake. On dira pas tout ce qu'on sait. Refermons la chambre des secrets. Et les backstage du concert. Est-ce que tu captes le concept? Mon phone ring à l'eau qui sait. Shining ascenseur qui saigne. J'ai le Blu-ray dans le lecteur cassette. Bienvenue dans mon monde parallèle. Mon monde parallèle. J'évitais la foule avant d'être en quarantaine. J'suis déjà passé là, mon pote, j'crois que j'suis perdu. Je peux plus faire semblant, tu sais que c'est hyper dur. J'suis resté planté là et on ne s'est jamais revu. Comment j'suis censé voir ce que j'n'ai jamais connu? Ouah, j'suis die. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Die. À l'instant, c'est extrait du morceau, extrait du projet, pardon, le projet, le côté PK. Côté PK. Le côté PK qui sera donc disponible tout à l'heure, hein, puisque tu nous fais un dernier live dans quelques minutes. De quoi tu parles?
Ouais. Nous, on va parler un petit peu donc de l'avenir. L'avenir, on le disait, c'est évidemment la sortie le 15 mai de Lougy. La tournée, on espère le plus rapidement possible. On espère normalement. Il y a des dates en mai, je crois déjà. Mais dès fin mai, peut-être ouais, les festivals, si les festivals sont maintenus, mais c'est vrai que c'est, pour l'instant, c'est pas de réponse. Pas de réponse pour l'instant. On sait pas trop où on va aller là-dessus. Bon, l'important c'est le confinement, évidemment. Sur l'avenir aussi, parce que je sais que toi, tu ces derniers temps avec le confinement, tu es beaucoup sur Instagram, peut-être beaucoup plus que d'habitude. Il y a eu beaucoup de lives. Tu vas continuer un peu les lives là, ou pour tous ceux qui t'écoutent, pour tous ceux qui nous écoutent, tu continues un petit peu? Ouais, je pense. Je vais peut-être pas trop forcer. Faut garder un peu de, faut pas faire chier les gens, tu vois. Mais voilà, s'il y a des gens qui sont là, on va exploiter ce qui nous reste pour communiquer entre nous, quoi. Tester des choses, leur demander par exemple, voilà, quand tu sors des fringues, quand tu sors des trucs. Ah, j'aime bien interagir avec les gens et leur faire prendre un peu part au projet aussi, parce que on construit quand même aussi quelque chose ensemble, tu vois. C'est ça. Moi, ça m'a fait rire de proposer aux gens plusieurs designs de t-shirts et que ce soit eux qui tranchent pour celui qu'on va faire vraiment et tout. Et en vrai, ça fait kiffer, tu vois. C'est comme faire écouter des prods aux gens. Pareil, ouais, pour les prods et tout. Bah là, en plus, ça s'y prêtait vraiment parce que j'ai dit que je faisais l'EP pendant le confinement en live, donc. Je voulais voir un peu la vie de ceux qui me suivent, quoi. Bon, et si on va un petit peu plus loin, donc comment toi tu vois d'ici la fin de l'année 2020, tu comptes sortir aussi pareil un autre projet, un album, ou parce que là c'est le EP, donc ce que t'appelles le EP, c'est qu'il y a 9 titres. Ouais. Donc qu'on vient de, ouais, si on en rajoute 5, ça va être un EP assez costaud quand même quand il y aura tout ensemble. Assez. Mais moi comme je te dis, je m'arrête jamais vraiment de faire du son. Je suis assez piqué par ça, donc il y aura forcément un prochain projet. Mais solo, je parle. Il y aura pas de nouveau Columbine et ensuite tu sortiras. Bah là, je suis en train de construire un projet solo. Mmh. Donc voilà, c'est ça. C'est le côté chaque chose en son temps. D'ici la fin de l'année, moi, je serai encore en tournée. Je pense pas que l'album sera déjà sorti. Je pense qu'il faut laisser le temps de respirer aussi à ce projet. Là, on a envoyé plein de tracks. Faut les faire vivre en live et tout. Mais en tout cas, moi, je vais rester en studio et sur scène, quoi. Ça va être surtout ça. Hein. Donc voilà, ça, il y a d'autres projets aussi sur l'image, sur des choses auxquelles tu penses, des clips, des... Ouais, il y a des projets de clips, il y a des idées de clips qui se font, on a un avis de clip en stock, qu'on n'a pas pu sortir aussi à cause de tu sais qui, hein, monsieur Corona, qui nous bloque de plein de choses, mais en tout cas, non, il y a beaucoup de choses, il y a toujours beaucoup de choses, beaucoup de projets, d'autres trucs, même des trucs un peu hors musique et tout, mais voilà. On peut pas savoir, c'est trop tôt pour savoir. Ouais, parlons peu encore une fois. Ouais. Parle peu. Quand ce sera le moment, on en reparlera. Ouais, voilà. Okay, on a tous des side projects, c'est comme ta carrière au cinéma. Ah bah, ça y est, elle est lancée. Hein. Elle est lancée. Hein. Je pense que là, les demandes. Cannes 2021, t'es. Bah oui, comme il y en aura peut-être pas c'est ta chance. Ils veulent nous faire Cannes au mois de septembre ou un truc comme ça, je crois. Incroyable. Tout est décalé. Ouais, pas de vacances cet été. Il y aura plus la juillet, août, c'est fini. T'sais, on va oublier. Je crois qu'il faut oublier 2020. Finir 2020 et l'oublier. Bah, en attaquant en tout cas l'année, je pensais pas qu'on allait vivre ça. Quoi, elle est dure cette année. Elle commence rude. Ah ouais, rude. Rude. Mmh. J'espère qu'elle sera meilleure sur la fin en tout cas. De ouf. On écoute la lune? Ouais, je suis chaud. Allez, c'est parti, c'est la lune sur Skyrock. Et je n'irai pas sur la lune. Et je n'irai pas sur la lune. Si c'est pour la traiter comme la terre, touché on dirait des dunes. Je vais la soulever comme un acteur, même si aujourd'hui c'est dur. Je te promets que demain ça va le faire. Je suis bon qu'à claquer des thunes. Regretter ce que j'ai fait la veille. Et je n'irai pas sur la lune. Si c'est pour la traiter comme la terre, touché on dirait des dunes. Je vais la soulever comme un acteur, même si aujourd'hui c'est dur. Je te promets que demain ça va le faire. Je suis bon qu'à claquer des thunes. Regretter ce que j'ai fait la veille. La strippeuse me dit que je suis cute. C'est que ça dure un match de foot. Tape dans un mur, ça défoule. Comme quand je fais bouger les foules. Ça va, ça vient, ça défile. Sinon, à part ça, les filles. Il est peut-être temps que je profite, vu comme le succès c'est fini. Je pars sur LA en exil, on me fait du chantage au suicide. Le Prada est sur la coudoir, le diable est en barésie. Le prix d'un menu en pourboire, c'est ma conception du pouvoir. Va te faire enculer si t'es venu que pour voir. T'as l'âme entre les coups durs, les coups bas. Et j'ai mis de côté mon éthique, tu l'as pas ressenti, j'en parlerai dans un titre. Tu feras le miskin, mais c'est pas dramatique. Ce qui t'arrive, tu mérites. Ah bon, je suis pas dans le thème. Moi je me comporte comme un vrai mec, mais le reflet dans mon verre dit que je me comporte comme une vraie merde. Puis je n'irai pas sur la lune. Si c'est pour la traiter comme la terre, d'où je suis on dirait des dunes. Je vais la soulever comme un halter, même si aujourd'hui c'est dur.
Je te promets que demain ça va le faire. Je suis bon qu'à claquer des thunes. Regretter ce que j'ai fait la veille. Et je n'irai pas sur la lune. Si c'est pour la traiter comme la terre, touché on dirait des dunes. Je vais la soulever comme un alter. Et même si aujourd'hui c'est dur, je te promets que demain ça va le faire. Je suis bon qu'à claquer des thunes. Regretter ce que j'ai fait la veille. Quand un alter part trop lourd quand même. Nous j'ai bien content qu'on l'aime. J'ai les yeux rouges de colère, pas les yeux rouges de pollen. Ma confiance en moi c'est du vernis. J'ai peur de l'échec et tout se termine. Ok j'avoue tu m'as cerné. Avec les films je suis timide. Mais je voudrais le costume du méchant. D'à peu près tout je suis méfiant. Je fais canaliser mes sens. Je voudrais canaliser mes songes. Ouais je m'en tapais de problèmes. Si je finis seul je ferai pas l'étonner. J'en ai assez d'être honnête. Quand t'es honnête tu fais rien décoller. Mes souvenirs ont l'odeur de stup. C'est notre exutoire dont on s'exécute. Et je sais qu'on peut faire plus que traiter les meufs de pute. Bref, je raconterai toujours les mêmes choses. Je vais pas m'inventer de belles causes ou m'enfermer dans le mauvais rôle. Là c'est dit par je peux plus faire pause. Et quand j'irai sur la lune, ça sera pour la traiter comme la terre. Touché on dirait des dunes. Je vais la soulever comme un alter. Même si aujourd'hui c'est dur, je te promets que demain ça va le faire. Je suis bon qu'à claquer des thunes. Regretter ce que j'ai fait la veille. La veille, la veille. Sur la lune, je suis on dirait des dunes. Même si aujourd'hui c'est dur, je te promets que demain ça va le faire. La lune qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock, il y avait Die aussi auparavant, plein de morceaux, donc plein de titres inédits que t'as fait là sur ces derniers jours. Ouais. Est-ce qu'il y en a, je sais pas, un en particulier que tu préfères sur ces cinq derniers morceaux qui sont arrivés Ils sont tout frais, donc ouais. C'est encore dur de trancher là, si je disais comme ça, en première sentie. Ça se joue entre La Lune et celui que je vais jouer ce soir. De quoi tu parles? Ouais. Ouais, vraiment, ouais, c'est un peu mes deux coups de cœur. J'ai fait écouter un peu. Ils ressortent bien. Mais après, bon, c'est encore, ça varie, tu vois, ça varie pas mal. De quoi tu parles? Tu vas nous le faire dans un instant. On va écouter Aou juste avant, mais tu vas nous le faire dans un instant. De quoi tu parles? Il naît comment alors celui-ci? Comme pareil, c'est dans le speed. C'est dans le. Toujours dans le speed. Grave dans le speed. La là, prod. Cette fois, c'est Mid qui m'envoie une prod. Mid, c'est un gars qui vient plus de la musique électronique, qui était dans un groupe. Qui s'appelle Club Cheval, donc c'était vraiment un autre genre, donc c'était pas directement rap, mais je sais qu'il a aussi beaucoup produit pour des rappeurs et tout, donc bref, il m'a envoyé une prod, et là c'est le morceau un peu, il manquait d'une vibe un peu dansante, tu vois, on avait, enfin ils sont dans un esprit, tu vois, très guitare, rock, la lune par exemple, hein. Ouais, voilà, tu vois. Et là, c'est le petit truc un peu plus caliente. Et moi, je suis friand de ce genre de vibe. Et c'est ça, comme d'hab, c'est un peu un amas de pensées, d'idées que je mélange. Et du coup, c'est pour ça le de quoi tu parles dans le gimmick, quoi. Parce que ça, on parle de tout et de rien. On va le découvrir dans un instant en live. Ne bougez pas. Un petit mot aussi sur les prods. Toi, tu produis pas? Toi, tu fais pas de son? Si, moi, je fais des prods. Tu fais des prods aussi? Ouais. Bah, je les produis. Et dans l'UJ justement je faisais ça, il y a pas mal de morceaux sur lesquels j'ai produit ou coproduit et c'est ça mon sens. C'est un kiff ça ou pas de faire les sons franchement? De ouf. Là je suis trop content moi quand je pose sur une prod que je fais, je sais que je fais des prods un peu chelou et que il y a que moi qui peux me retrouver un peu dessus. Donc je suis content quand elles sont exploitées quoi. Ça t'est venu comment toi les prods justement? C'était quoi? Parce qu'il y avait une certaine frustration, t'avais envie de voilà de. Même pas, à la base je faisais des prods. À la base je rappais pas ou je chantais même pas. C'était genre quand j'avais 15 ans je voulais faire des instrus. Donc c'était 15 trucs, ouais, bloqué sur les. Ouais, instruments. C'est ça, je voulais apprendre. J'étais sur YouTube à mater des tutos d'Ableton, c'est le logiciel que j'utilise. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps. T'avais pas d'instrument, tu jouais pas d'instrument? Non, tu sais, le clavier de l'ordi. Sur le clavier de l'ordi, tu peux faire des notes. Et du coup, j'ai fait mes premières instrus, voilà. Et j'ai filé le logiciel à des potes qui, du coup, maintenant, comme Skuna par exemple, avec qui on a produit tous les deux le feat avec Lorenzo d'ailleurs, qu'on a fait hier, si je me trompe pas. Oui. Tu te trompes pas. On l'a produit tous les deux avec Scoo et je lui ai filé le logiciel à l'époque et maintenant c'est devenu un monstre là-dessus et voilà quoi. Moi c'est toujours dans un petit coin de ma tête l'idée de produire, mais c'est pas le. Tu peux produire pour d'autres ou pas des sons? Bah si j'ai une prod que j'utilise pas et que quelqu'un est chaud, ouais bah je l'ai déjà fait, mais au sein du collectif, tu vois, genre des sons sur lesquels je pose pas, que Foda ou Hiro prenait par exemple.
Mais pour d'autres, non, pas encore. Mais ce serait une chouette expérience, je kifferais. Tout ce qui est mélodie, tout ce qu'on appelle top line aussi, top line, c'est ce qui peut intervenir au moment du refrain. Enfin, oui, c'est le petit gimmick, c'est des trucs que t'as en tête aussi, que tu gardes que... Ouais, moi, mes mélos, je les garde plus pour moi, tu vois, je ferais pas pour d'autres. C'est genre, chacun sa sauce, tu vois. Je trouve que c'est aussi comme ça que tu crées ton identité, c'est aussi dans ta façon de poser ton flow, tes mélos. Et moi, je fais pas trop de top line avant de décrire, mais. C'est ça, j'ai mes bases. Et écrire pour d'autres, justement. Écrire pour d'autres, c'est un truc. C'est une question, on m'a déjà mis un peu face à ça. J'aime bien me dire que je veux d'abord concrétiser mon truc. J'ai pas encore la. T'as jamais fait pour l'instant, pour écrire? Non, j'ai pas encore la prétention de me lancer là-dedans. Après, si quelqu'un, un jour, quelqu'un dans un quelqu'un, autre voilà, genre. Par exemple. C'est plus pour un autre genre. Un autre genre, ouais, musical. Ouais, je ferais pas pour un autre rappeur. Mais qui voilà, aime bien pas. Ton univers, qui aime bien ce que t'écris. Ouais, si quelqu'un kiffe et que. C'est quelque chose que tu pourrais genre. Faire. Ouais, en vrai, je pense que. Ouais, bah. Si la personne me fait confiance et son projet m'intéresse, pourquoi pas? J'adore écrire, donc pourquoi pas, mais c'est pas la priorité. C'est pas la priorité, là il y a plein d'autres choses, notamment d'ailleurs la sortie le 15 mai de Luke J. On écoute le morceau à où et on passe au live juste après, c'est parti. Cool. À où. Dans la trappe cœur, qu'est-ce que je fais encore dans ce club? Et qu'est-ce que vous me voulez? J'ai la sincérité d'un acteur. Je te ferai plus de mal que de peur. Raconte-moi ce qu'il a fait, que je perde mon sang-froid. Oh my, je suis plus rien sans toi. Bon qu'à faire les 100 pas. Rester en bas, c'est l'enfer. Je veux régner sans être roi. Fut un temps, je rêvais d'être là. Mais je suis solo à ma table. Sous l'eau, j'étais un bâtard. Vous m'avez chez là, c'est la revanche des nerfs. Traîne dehors comme un zonard et pleure comme Solar. Capuché dans le club, hey. Cache les blessures de guerre. Les yeux rivés sur le sol, hey. C'est comme ça qu'on est sincère. Capuché dans le club, hey. Cache les blessures de guerre. Les yeux rivés sur le sol. C'est comme ça qu'on est sincère. J'ai fait des croix sur la carte. Où je suis, j'ai froid, mais je veux pas partir. Le club ferme dans un quart d'heure. Je redeviens moi-même à la sortie. Pourquoi personne n'a su répondre? C'est comme le tonnerre que les basses rondent. En pleine valse des ondes, c'est surnaturel, tout est sombre. On se dit que le cœur a ses raisons, j'ai son ADN sous les ongles. Je mets la capuche, tire le cordon, je suis au fond du club. Et c'est pas qu'une question de time. Si tu t'en vas, je reste, je suis dans l'ivresse, je suis dans l'invraisemblable. Et c'est pas qu'une question de time. Si tu t'en vas, je reste, je suis dans l'ivresse, si loin du vrai monde. Capuché dans le club, hey. Cache les blessures de guerre. Les yeux rivés sur le sol, hey. C'est comme ça qu'on est sincère. Capuché dans le club, hey. Cache les blessures de les yeux rivés sur le sol, hey. C'est comme ça qu'on est sincère. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Luke J. PK sur Skyrock et le morceau qui s'appelle Aou. Ça, vous le retrouvez sur la partie Luke J qui sort le 15 mai prochain. On attaque le live? Oh, déjà cool. Ah bah oui, on va y aller quand même. Je suis chaud. Attends, c'est le dernier titre. C'est le dernier, ouais. C'est le titre inédit. Qui viendra clôturer PEKA. PEKA, c'est un projet qui a été fait pour ce Planet Rap. Merci une fois de plus, un projet qui est dispo et qui sera dispo là dans quelques minutes en intégralité sur toutes les genres de plateformes de streaming. Qui sera aussi sur la chaîne YouTube de Skyrock. Hein. Vous retrouverez tous les lives qui ont été donnés par Luke J PEKA cette semaine entre 20h et 21h. Et ce morceau, je crois qu'il s'appelle. Ah, tu as un petit problème? Je crois que j'ai un petit problème technique. Que se passe-t-il, dis-moi? J'ai pas de son dans le casque. Ah, bah alors, attends, c'est normal, on va régler ça tout de suite. Bah, tu peux prendre, regarde, prends. Tu peux rester branché là, comme ça, hop. Et là? Ouais, tu l'as. Ok, parfait. Tu t'entends? Ouais, là, je m'entends bien. Et bah, c'est parti, on peut donc attaquer maintenant sur Skyrock. Le live, c'est un des morceaux, tu me disais, c'est un de tes morceaux préférés, celui-ci. Oh. Il s'appelle De quoi tu parles? Des QTT. On y va. Hey, hey, hey.
Y'a la plage sous les parpaings. Elle m'a dit s'te plaît, ne pars pas. J'suis ton pare-balles, ton parfum. Incrusté dans mes draps, il reste une page et c'est la fin. J'suis dans une cage que j'ai construite. Ma rage va taire avec ma faim. Nombre de plus dans la street. Mais de quoi tu parles? 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 J'entends des voix, je vois des signes, elle me donne de la main, clé de sol, la rivière pourpre. M'emmène au lac des signes, j'ai attrapé ma vie par col. Si tu n'as pas les mots dessinés avec une parler, c'est pas grave, on se croisera. C'est le destin qui décide et tes rappeurs sont des ratés. Moi j'ai plus rien de fédérateur, album de platine oublié, on s'appelle dans une petite heure. C'est ce que je ne cesse de répéter, s'te plaît, fais-moi mal, fais-moi peur. C'est pas mon rôle d'intimider, seul au sommet, crise solidaire. De quoi tu parles quand t'es seul le soir? Y'a comme envie d'immense et t'as les idées noires. Mais de quoi tu parles? Et quand t'es seul le soir, y'a un vide immense et t'as les idées noires. Mais de quoi tu parles? 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 Y'a la plage sous les parpaings. Elle m'a dit s'te plaît, ne pars pas. J'suis ton pare-balles, ton parfum. Incrusté dans mes draps, il reste une page et c'est la fin. J'suis dans une cage que j'ai construite. Ma rage va de pair avec ma faim. Une ombre de plus dans la street. Mais de quoi tu parles? 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 À l'instant, en live, de quoi tu parles? Sur Skyrock, Lou JPK. Ah oui, c'est faut jongler. Voilà, un de tes morceaux préférés parmi ceux que t'as fait là sur ces derniers jours. Vraiment, merci, parce que tu nous as régalé. Bah, merci à vous. Pour ce Planet Rap, on va se quitter dans un instant, on va finir avec Borderline. Ok. Peut-être même d'ailleurs qu'on finira aussi avec Palapalaba. Dans un instant, on a le temps peut-être de mettre deux derniers morceaux, mais vraiment merci. Merci, on s'est régalé avec ces lives que t'as fait, que t'as fait aussi avec tous les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. C'est un travail en commun. Ouais, je suis triste là, c'est la fin de ma première partie de confinement là où j'étais dans plein de trucs. Je vais m'ennuyer maintenant. Ah bah tu peux nous en faire un autre. Bah j'en ai cher, en tout cas merci pour la semaine, pour toute l'équipe et tout d'avoir assuré. En plus on sait que c'est une ambiance particulière. Merci d'avoir répondu présent et d'être venu dans ce Planet Rap entre 20 et 21. Avant de se quitter, allez, on finit avec Borderline sur Skyrock. C'est Lou JPK, c'est notre invité. Dans tous les cas, je te vois de loin, car t'es forcément quelque part. On s'attrape demain, là, je peux pas. Aurore boréale, peur du noir. On n'était pas fait pour moi. Deux copines qui s'embrassent, tout s'accélère, tout s'emballe. La pupille qui scintille devant la terre qui s'embrase. En équilibre au bord du gouffre, gouffre borderline. Toute ma vie à bout de souffle, plus de bien, plus de mal. Chanter à sans casser la voix. Les chiens à bois cherchent où passer la nuit. T'as jamais soufflé sur ma voile. Je mets de la lumière sur ma ville et je lâcherai des buts à vos appels à l'aide. Je déteste ce que t'aimes et je dois faire avec. Je traîne les mêmes histoires depuis des années. J'ai arrêté de les compter. À découvert, je veux plus camper. Au moins ça forge d'avoir personne. Jure qui comptait, je voulais aider. Mais à quoi bon, t'es pas mauvais. Est-ce que t'es bon? Finira par se haïr de toute façon. Tellement mal que je souris à m'en déchirer les lèvres. Je ressasse tous les souvenirs, y'a plus rien de bon. Des mauvaises herbes sur l'île des jouets brisés. Des gens bizarres parlent de misère. Survivre j'en suis capable, mais toi non, je te lève mon verre. Dans tous les cas je te vois de loin, car t'es forcément quelque part. On s'attrape demain, là je peux pas. Aurore boréale, peur du noir. On n'était pas fait pour moi. Deux copines qui s'embrassent, tout s'accélère, tout s'emballe. La pupille qui scintille devant la terre qui s'embrase. En
équilibre au bord du gouffre, gouffre borderline. Toute ma vie à bout de souffle, plus de bien, plus de mal. On descend là où tu m'emmènes. Je n'irai pas, j'ai plus quoi faire. Donc je fais du mal. Comment le refaire sans te revoir? Dans tous les cas, je te vois de loin. Car t'es forcément quelque part. On s'attrape demain, là je peux pas. Aurore boréale, peur du noir. Comme si ce monde n'était pas fait pour moi. Deux copines qui s'embrassent, tout s'accélère, tout s'emballe. La pupille qui scintille devant la terre qui s'embrase. En équilibre au bord du gouffre, gouffre borderline. Toute ma vie à bout de souffle, plus bien, plus mal. Voilà, Borderline, petit retour en arrière, c'est Enfant Terrible. Adieu bientôt. Adieu bientôt, ouais. Pardon. Plus récent. Ouais. Exactement, Borderline, c'est ce qu'on écoutait sur Skyrock. Merci, le JPK. Merci à toi. Merci d'être passé. Yes. Tout cas, c'était une belle semaine entre 20h et 21h. Demain soir, on mettra que des sons à toi. Ok. Si tu veux te caler demain entre 20h et 21h. C'est mon créneau. Tu pourras te caler tranquille. Il y aura évidemment les 5 titres inédits que tu nous as fait pour cette semaine Planète Rap. Il y aura aussi les 3 titres déjà qu'on connaît de celui-ci, hein, du projet qui arrive le 15 mai. Yes. À pas louper. Il y en a déjà 3 qu'on connaît. Il y en a encore d'autres à découvrir sur ce projet qui s'appelle Lougi, qui sortira donc le 15 mai. En précommande, je rappelle que comme tu as un petit peu de temps en ce moment, n'hésitez pas à aller sur le site. N'hésitez pas à précommander fort. Précommander parce que vous avez la dédicace en plus, donc ouais. Allez-y. Dédicace, PEK. Il a besoin de taf, la Lougi, ils sont un peu chiés à la maison, donc il a besoin de travailler en ce moment un petit peu. Donc si vous voulez le blinder de boulot, vous allez sur le site, parti. C'est Lougi PEK Store, vous précommandez l'album et vous aurez la dédicace. Et en plus, tu le disais, c'est important de préciser, il y aura aussi les 5 titres de PEK en plus. Ouais, on est en train de voir le... pour rajouter le CD au premier CD et magnifique, et créer un format physique quoi de ce projet parce qu'on le kiffe en fait. Merci à toi vraiment. Cool. Et bah plein de bonnes choses pour la suite, qu'on sorte vite de cette histoire de confinement. En attendant, restez à la maison. On va saluer aussi tous ceux qui sont en première ligne parce que nous on a la chance de faire de la radio, de faire de la musique, mais il y en a qui sont en première ligne aussi. Ouais. Donc et voilà, on pense à vous fort. Les hôpitaux, tout ça. Exactement, tous les gens qui bossent notamment dans les hôpitaux, les routiers, les chauffeurs livreurs, les éboueurs, tous ceux qui sont les caissiers, les caissières. Force à tout le monde. Hein. Les boulangers, voilà, etc. Voilà. Tous ceux qui sont en première ligne aussi, on pense à vous. Merci d'avoir écouté ce Planète Rap. Rendez-vous demain pour la suite. Et on va finir avec, tiens, je l'avais promis, Palapalaba. On finit avec Palapalaba. Et puis juste après, c'est la radio libre de Default. Ciao. Parfait. Allez, c'est pas grave, donc balancez la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? Je retrouve des francs dans mon fuite et du sang sur mon pull. Prends pas exemple sur la foule, on dira que je le fais pour la culture. Eux n'en ont plus rien à foutre, hein. Un rire qui glace le blood, hein. Je suis petit face à mes doutes, hein. Plus bon qu'à mettre des coudres, hein. Jusqu'à ce que frappe la foudre, hein. Je perds trop de potes dans la fumée. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal. Maintenant, il va falloir assumer. S'il te plaît, ne crois pas tout ce que dit la guitare, babe. Mais qu'est-ce t'avais dans la cervelle? Je veux pas t'apprendre à te faire belle. Au fond rien n'est éternel, je crois qu'au fond rien n'est éternel. J'suis pas là-bas, zut. MD en para, MD en parachute. Pas là par hasard, balancer la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? J'suis pas là-bas, zut. MD en para, MD en parachute. Pas là par hasard, balancer la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? La putain de Sarah, c'est comme ça, c'est la vie. Va voir ailleurs, j'suis ni là ni là-bas. D'ailleurs, j'sais pas ce que t'irais foutre ici. Au début, c'est marrant, puis ça fait des ravages. J'suis remonté à bloc, j'allais sortir de l'asile. Et j'ai croisé le diable par pur hasard. Elle me dit que le Prada, c'est pour les autres filles. Qu'ensemble, on allait nettoyer ce bazar qu'est nos vies. J'donne à ce fort d'Obi-Wan Kenobi. Dis-moi que tu la ressens aussi, hein, tu la ressens aussi, la tristesse dans ta ville. J'm'assois au fond et j'regarde comme un avare dans le strip club. S'il y a que la pluie qui peut cacher tes larmes, pourvu qu'il pleuve. Ouais, j'suis pas ici, pas là-bas. Si les mots sont des armes, je chanterai la papa. J'ai vu le logo de l'Empire sur une pilule d'extra. Le JP pas sur Instagram. Faut follow sans faire d'histoire.
pas là, pas là-bas, pas là, pas là-bas, zut. MD en para, MD en parachute. Pas là par hasard, balancer la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite. J'suis pas là, pas là-bas, pas là, pas là-bas, zut. MD en para, MD en parachute. Pas là par hasard, balancer la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite. Yo, mate les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.